Salut YouTube, ici Sprilex pour ce 33e épisode de Let's Play sur Tunic. On continue donc, nous étions arrivés à de ce côté-ci. Je me demande, tiens. Oui, bien entendu. Et on a le coffre ici qu'on n'arrivait pas à voir là. Fois précédente, on va essayer de tout se faire. Hein. Oh, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par ici? Oui, c'était la suite en fait. Donc je rappelle, hein, je suis dans le en tant que fantôme et j'ai le pouvoir de me téléporter, faire des petits bonds de téléportation en avant par ici. Un petit coffre. Et là, je dois battre des monstres pour récupérer le pouvoir des dieux. Il m'en reste plus qu'un en fait. Mais je veux aussi tous les TP pour être sûr de ne rien oublier. Et discuter un peu avec les fantômes morts. D'accord, je comprends toujours rien à ce qu'ils racontent. Hop. Là. Ah oui, c'est des monstres d'énergie, donc ils vont perdre mon maximum de vie si je fais pas gaffe. Non, je peux pas traverser comme ça. Alors, ici. Un petit point de sauvegarde. Ah bah voilà, petite prière. Les jeux de lumière sont magnifiques. Je le dirai jamais assez. Et ici maintenant. Non. Alors c'est sauter de proche en proche. Rien du tout. Ah. Il y a une page là-bas. Pas traverser le mur. Peut-être faire le tour par derrière. Par là. Là. Je sais pas où je vais. Il y a un coffre déjà. Ok. Ah, et j'arrive ici. D'accord. Bon, tout ça ne me fait pas avancer dans le schmilblick. Non, je peux pas.
Alors, ok, je suis là. Comment je peux faire pour aller de l'autre côté là? Alors, voyons. J'y vois rien. Peut-être que c'est par un TP classique. On avance, attention, il va y avoir un ennemi. Même pas. Il y avait encore un coffre ici en dessous. Si je dis pas de bêtises. Il faut savoir comment y aller, c'est tout. Ça va pas être possible, je pense. Ou alors vraiment de la chance, non. Je vais devoir revenir en arrière, faire le tour. Ça marche. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Petit coin paisible, mais... découvrir le monde de Tunic d'une autre façon avec ce TP, hein. Voilà.
sortir de là. Voilà, tout simplement. Ok, on va aller se TP, voir si le portail est activé pour... J'ai encore des pièces ou pas? Ah, j'ai deux pièces. Je suis pas sûr que ce soit suffisant, mais... 6, je pense qu'il faut arriver à 10 pour être... J'ai pas assez. Hop. Mince. Alors, le TP. Ah bah oui, il est actif. Je peux mettre mon TP là-bas. Et aller prendre la page qui me manque. Enfin, j'espère. Voilà. Ok, oui. Ah, prenez la place qui vous revient. B. Partagez votre sagesse. Utilisez le pouvoir de la Sainte Croix et traversez l'itinéraire doré. D'accord. Y a rien de plus. Allez, on retourne. Pour aller à la carrière. Pour aller à la carrière, le plus simple c'est encore de repartir de... du début en fait. Enfin de... la place. Ok, par là. Une petite prière pour dire de récupérer et d'avoir un point de sauvegarde. Non, c'est pas ici. Ah, je suis là. Ici, je peux toujours rien faire. Non. Encore un secret que je n'ai pas. Je passe par ici. Non, je peux pas traverser la grille directement, je suis obligé de descendre. Oh. C'est exagéré, hein. Ok. Ah! Ah! Bon, on est obligé de passer par le... Par le. Je vais y arriver. Traverser. Obligé de passer par le. Par la montagne. Bon. C'est pas là, c'est au-dessus. On reprend le chemin. Allez. Allez, on court.
bien. Alors, le chemin, il est là. Bien caché. À partir d'ici, on descend. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bah. Juste... Ouais, je peux pas descendre. C'est bloqué par cette matière noire et il faut que je tue l'ennemi pour pouvoir débloquer tout ça. Et quand j'aurai celui-là, normalement, si mes calculs sont bons, je vais retourner dans le monde des vivants avec la pleine puissance. Alors, avant de... 500, hop, faire une offrande, oui. Ok, PM4, on continue. On va augmenter les PV. Bon, maintenant il devrait faire moins le malin, l'ennemi, hein. J'oublie un détail. Un petit point de sauvegarde. Ok, j'ai mon masque à gaz, donc ça me fait pas de dégâts. J'avance au bout. Là, il est arrivé. Donc, c'est parti. Ah ouais, je lui fais déjà beaucoup plus de dégâts. Merde. Ah oui. Ouais, bon. J'étais occupé de boire. Voyons. Je vais avoir un peu de mal à le tuer, mais il devrait être faisable. Je lui fais déjà beaucoup plus mal que la première fois que j'ai essayé de le taper. Voilà, il est là. Je m'éloigne, je bois un peu. Dommage. C'est juste parce que j'ai pris mon fantôme que ça n'a plus été. Allez, on sprint. Reste sage.
Et... merde. Putain, il m'a bouffé pas mal de vie. Voilà, je l'ai eu. Je m'éloigne un peu. J'ai jamais. Non, c'est bon. Et enfin, voilà. Normalement, on va avoir nettoyé toute la corruption qu'il y a dans le monde des ténèbres. Et on a notre puissance pour les potions. Voilà, je suis l'avatar accompli, j'ai de retour mon corps physique. Petit succès. Your body is restored. Donc ton corps est restauré. Mais je suis là, oui, bien. Donc maintenant. Maintenant, ce sera le combat final. Ok. Enfin, je pense, hein. Et là, je vais rager. Déjà, il y a toujours la corruption à l'extérieur. Mais... j'ai mon corps physique, mais... on va le faire. Déjà, petit point. Sur toute ma vie. Je peux plus rien. Je peux plus rien prendre comme puissance. Je sais pas si je suis au max, mais là pour l'instant j'ai plus rien. Enfin, j'ai tout acheté, je veux dire, c'est comme ça. Ah bah non, on peut pas. Merde. Donc je suis quand même obligé d'aller par là. Petit futé. Et donc, il y a cette porte aussi que j'ai pas encore. Que dalle. Ouais, je suis pas encore en combat final, hein. J'ai pas mal de secrets encore à découvrir, je pense. Est-ce que ça fera partie du... de la trame principale ou
ou est-ce que c'est juste du secret bonus, je n'en sais rien. Est-ce que ce sont des quêtes secondaires? Peut-être. Alors, on va déjà aller voir là-bas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose, mais dans le doute. C'est là qui était scellé le mal que j'ai. Quatrième clé. D'accord. Engin de siège, machin, ok. Quatrième clé. Avatar, imbécile. Ça va, ouais. Pas fait exprès, je le savais pas, moi. J'étais amnésique. J'ai envie d'aller voir par ici. Il me semblait qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas atteindre avant. Je pense qu'il me manque encore des pages, hein, mais je ne sais pas où les trouver. Bon, c'est pas ici, donc ça va être dans le monde spirituel, je pense. À l'endroit des portails. Enfin, vous allez me dire que je suis déjà dans le monde spirituel. Mais je me comprends, c'est au hub des portails. Je pense qu'il y a un speedrun à faire. Je pense qu'il y a moyen d'attaquer tout de suite sans avoir les pouvoirs, mais c'est ici. Attention. Elle est là.
j'arrive à le mettre à la mi-vie déjà dès le premier assaut. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode parce que ça fait déjà une demi-heure. Et on continue dans le suivant. Pour Twitch, eh bien on continuera tout de suite après. Sur ce, eh bien merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye.